C'est qui a fait un pro, qui a fait philo? Mathiello, c'est Dani. Je ne me souviens plus du prénom de nom de famille Dani. Improviser, c'est jouer l'inévitable. Quelle jolie phrase. Ouais, une phrase de Keith Jarrett. C'est Alex qui m'avait dit ça. Et ça te plaît. Ouais, ça me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, comme tu disais, il y a une histoire, il faut la retrouver quand tu es là. Il ne faut pas passer par le cerveau, il faut penser. Il ne faut pas penser en fait, il faut être là. Pour moi, ça, c'est la clé de l'improvisation, être là. Mais encore, pas seulement pour l'improvisation, pour le théâtre, même si écrit, c'est exactement la même chose. Il faut être là, il ne faut pas être dans « Ah non, j'étais chez moi, je pensais que mon personnage… » Non, ça, c'est bon. Mais après, il faut être là, écouter qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant, en plus tu dis personnage, limite il faudrait moins penser à des personnages, être là quoi. Parce que non, je pense à votre spectacle, à tennis, vous êtes, vous n'êtes pas des personnages. Voilà, moi je pense vraiment que non. Et c'est vous, vous livrez, dès que vous ressentez quelque chose, c'est quoi la règle? C'est vous devez dire tout de suite ce que vous ressentez ou ne dire que des choses que vous ressentez? Comment vous travaillez ça? C'est pas exactement ça, c'est de profiter le moment, entendre ce qui s'est passé et proposer directement quelque chose qui passe. Et... Il n'y a aucun jugement de ce que tu ressens, de ce que tu aurais envie de verbaliser? Non, ah. Voilà, c'est ça. No filter improv. No filter. Pas de filtre. C'est pas mal. Et du coup, c'est inévitable, inévité. Sans ouais. Filtre, inévité. Parfois, le no filter is a filter itself. Ah ouais. I mean. Je vois, ouais. Non, il faut que je dise ça. Non, je sais pas. Moi, ça m'aide de regarder les yeux des autres, de regarder le geste. Parfois, ils étaient en train de parler et je faisais que regarder exactement comme ils sont en train de parler. Ah, ok. Comme si regarder fait moi comprendre mieux l'histoire qu'ils sont en train de raconter. Je sais pas comment dire. C'est une sensation. Si, si, si. Oui, c'est vrai, parce qu'on dit beaucoup en français, en tout cas, on dit beaucoup écouter. Mm-hmm. Hein? Regarder, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas la même chose. Non, si on écoute un peu l'information. C'est ça, écouter, c'est qu'on est sur le. Sur des informations, sur des idées, sur des. Des choses qui sont exprimées. Voilà. Et, vous, et donc il y a des désirs dramaturgiques. Et donc il y a danger. Bah oui. Dès qu'il y a désir dramaturgique, il y a danger. Donc c'est pour ça, c'est pas mal, regardez. Ah, c'est bien, ça me plaît. Ça. Parce que parfois tu retrouves là, on le regarde, quand elle est en vue. Du silence, de rien dire, et quand il est temps de dire quelque chose de vraiment important. Et pas bavarder, c'est dit comme ça. Oui, bavarder. Bavarder. C'est pas. Le B. Comment c'est dit? Bon, merci Dani. Ciao. Plaisir. Enfin, buenas noches. Gracias.